premier cas d'embourbement. C'est ma faute. C'était une très mauvaise idée de venir ici en fait. Je me suis dit on va y arriver, mais on a mis du gravier dessous. En fait, je suis allé comme si j'y allais avec la Flowmobile et j'ai fait n'importe quoi. Donc là, on est bloqué. On l'a fait. Hey. J'ai fait un peu n'importe quoi. C'est moi qui ai choisi. En plus, là, c'est argileux, je pense. Alors, quand il y a un peu de comme ça. J'aime bien la petite déco que ça a fait. Mais on devrait garder, hein. Moi, je trouve que ça donne un petit style. On devrait faire ça sur tout le van. Là, ça fait sauvez-moi. Mais maintenant la caméra elle est toute sale. Pendant que Marina cuisine, après ce petit épisode, nous avec Audi on se console avec du petit fromage. On dit petit fromage. Coup de bruit. Alors Audi, il a son petit espace ici et dès qu'on cuisine il s'oriente vers le côté cuisine. Gimme food. Are you gonna give me food? On est passé La Rochelle et on va vers la Vendée. Alors on a passé très vite la Charente-Maritime. On s'est embourbé quelque part. On a passé quelques petites nuits, ça et là, des petites journées tranquilles. Mais moi je voulais avancer parce que samedi prochain, ça quand ça sortira, le truc sera déjà arrivé. Il y a un événement à une librairie en Bretagne et il faut qu'on soit là. Donc là on fait plein de petits coins super cool comme ce coin là ici sur un bord de mer. Il y a beaucoup de vent mais ce stationnement là il est vraiment naturel et super protégé par ces arbres. Donc c'est super cool avec un bord de mer extraordinaire et un petit sentier là-bas. Donc Audi ce matin il a mangé. Et là, ce que je fais en fait, c'est je vous parle surtout parce que j'essaye la bonnette anti-vent que Philippe m'a donnée. Et oui, ça fait longtemps, il l'avait promis, il l'a fait. À la base, on devait se voir avec Philippe pour un seul truc, hein. Pas faire du surf, pas explorer, visiter, avoir du fun et tout. C'était juste pour ça. Pour mettre des petites moumoutes. Ce sera on est contre jour. Ce sera la moumoute à Philippe. La moumoute à Philippe. Voilà, bon, mais merci Philippe. Merci. Bah de rien les amis, de rien, ça me fait plaisir. On est contre jour. Et voilà. Comment tu coupes la vidéo? Je l'ai installé hier et là j'essaye un peu voir parce qu'il y a beaucoup de vent. Et donc ça, j'ai l'impression que ça change un peu la vie d'avoir cette bonnette anti-vent. Parce que finalement on peut entendre le vrai audio qu'on entendrait s'il n'y avait pas de vent. J'espère que quand je le ferai, je verrai tout ça au montage, il n'y aura pas de vent. Comme en ce moment là ça souffle, ça fait... Et j'aurais dû mettre ça il y a très très longtemps, hein, parce qu'avec toutes les plages qu'on a fait, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Ça va Audi? Audi, ouais. Ah, du bois, il a fini le petit déjeuner, mais nous, bon, c'est quoi que tu me fais à manger aujourd'hui? Alors ici, je sais pas si je dis des bêtises, mais techniquement, on est à la même latitude que Montréal, au Québec. Donc, ça valait la peine de le noter. Il faut que je vérifie ça, par contre. Donc, peut-être que je vais pas le garder dans la vidéo. Alors, s'il y a eu des leçons à tirer de cet embourbement, c'est que... Personnellement, j'ai été un peu trop confiant. Les pneus
de la Slowmobile ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la Flowmobile. La Flowmobile est un V8. Ça, c'est un 1.9 diesel des années 90. Donc, il n'y a pas le même couple, il n'y a pas la même, la même puissance, il n'y a pas les mêmes pneus non plus. Les pneus étaient super lisses et en fait, c'est les pneus qui nous ont embourbé plus que le terrain lui-même. Parce que moi, au Canada, quand j'ai de l'herbe ou un peu de boue, j'ai juste à accélérer un peu fort pour me retrouver d'aplomb. Alors qu'ici, ben, c'était assez stressant. La leçon de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais prendre pour acquis le véhicule qu'on a et surtout toujours regarder là où on s'en va. Parce que sans regarder là où on s'en va, ça peut devenir dangereux et parfois même ridicule, parce que là, on était complètement tout seul. Tout ça a eu une bonne fin. Et là, en face de moi, oh non, il pleut! Quick, mon pony! Non, pars pas sans moi! Pars pas sans moi! Non! 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 Donc merci Philippe pour le spot, c'est vraiment un magnifique spot. On se connaît, non? Hein? On se connaît? Non. Je vous ai vu quelque part, vous vous appelez Pam, non? Non. Bon, bonne journée. Je retourne à mon van. La faune sauvage. La faune sauvage. Explore les plages. Le lion des plages se déplace. Ouf, il ne nous a pas vus. Et il s'en va. Pendant ce temps-là, un autre prédateur dort. Did